Salut à tous, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vous apporte les dernières informations sur le possible arrivée d'Antonio Conte sur le banc de Manchester United. Alors les frérots, si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. On est parti. Antonio Conte est le candidat évident pour remplacer Ole Gunnar à Manchester United. C'est ce qui sort en général des médias locaux quand il évoque un possible limogeage du technicien norvégien. Le technicien italien a été champion d'Angleterre avec Chelsea 2017, possède effectivement tous les arguments pour en faire un manager des restes de vie. Il aura notamment l'avantage de ne pas avoir beaucoup de temps d'adaptation à la Premier League. Dans les propos tenus dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport il y a quelques jours, Antonio Conte n'exclut rien concernant son avenir. « Je cherche plutôt les projets et je suis prêt à rester à la maison si quelque chose ne me convainc pas. Cela a à voir avec la vision, l'honnêteté et les principes. De manière générale, j'aime les défis et j'en ai accepté beaucoup au cours de ma carrière. Mais les meilleurs clubs que j'ai entraînés n'ont jamais été les favoris à mon arrivée. Cependant, s'il y a quelque chose qui ne me convainc pas, je préfère ne pas accepter indépendamment de l'argent », a-t-il expliqué. Toutefois, l'ancien entraîneur de l'Inter Milan précise qu'il privilégiait une expérience à l'étranger. « J'aimerais avoir plus d'expérience à l'étranger. Je pense que je ne suis pas quelqu'un qui se contente d'une situation confortable. J'ai toujours choisi la situation la plus difficile », a-t-il ajouté. Enfin, Antonio Conte sait comment transmettre sa culture de la gagne à ses équipes. « En tant que joueur, j'ai gagné tout ce qu'il était possible de gagner, mais j'ai aussi beaucoup perdu. Quand vous perdez, cela laisse en vous l'envie de ne plus vivre cela. Alors vous faites tout pour transmettre cela à vos joueurs quand vous êtes entraîneur principal. Tout vient de vos cicatrices et de l'envie d'éviter d'en avoir d'autres », conclut-il. Alors Antonio Conte sera-t-il l'homme de la situation à Manchester United ou choisira-t-il de rejoindre un club à construire avec Newcastle? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Les frères, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.